J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Et je suis très contente de vous en faire une parce que ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas fait. Et là, c'est vraiment des bons petits plans, surtout sur Lidl, où on a retrouvé vraiment des articles pas mal et que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Après, il y aura du Kiabi et il y aura du Leclerc, mais ça sera pas un gros haul, c'est juste pour vous partager ces bons petits plans. Alors si tu veux voir la suite, je te dis let's do it. On va commencer par le magasin où j'ai retrouvé le plus d'articles bons plans, et c'est chez Lidl. Alors je pense que tout le monde connaît Lidl, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'y vont pas très souvent. Et je peux vous dire que nous, on est devenus des addicts Lidl. Voilà, autant moi que mon mari. Mon mari, il adore se procurer et s'acheter chez Lidl les plantes parce qu'elles sont vraiment pas chères et elles sont de bonne qualité. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon dernier vlog où je vous montrais les plantes qu'il avait achetées, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit juste ici et vous accéderez à cette vidéo et vous pourrez voir ce qu'on peut y retrouver. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qui est bricolage, tout ce qui est petits gadgets, autant pour hommes que pour femmes, qui sont vraiment très bien. Voilà, je vous recommande, j'ai déjà une machine pour découper les pommes de terre, les carottes, je vous mettrai en photo juste ici si je la retrouve, en photo, qui marche super bien. Ça, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, c'est ma maman qui me l'avait acheté et ça marche super bien. Il me fallait quelques petites choses, en l'occurrence j'y allais pour un article pour mon mari et j'ai retrouvé pas mal de petites choses. En premier lieu, on a retrouvé cette gourde. Lundi prochain, Laura s'en va une semaine à Dolus avec l'école et je voulais lui acheter une gourde sur Intersport parce qu'elle a une gourde, oui, mais Charlotte aux fraises, comment te dire qu'à 9 ans, c'est bébé. Et on est tombé sur ces gourdes. Alors, il y avait les gourdes et il y avait le thermos pour mettre le café. Moi, je lui ai pris la gourde. Alors, c'est une gourde qui est qui garde le frais, en fait, comme un peu un thermos, mais pour garder le frais. Alors, elle était en 3 couleurs. Il y avait bleu, il y avait gris et il y avait orange. Moi, je voulais orange, ma fille voulait bleu. Donc elle se compose comme ceci, vous avez une petite paille comme ceci, tout en dur, super génial, super grande. Voilà, là je vais mettre son eau, voilà, elle sera au frais et voilà, et elle n'aura plus qu'à boire. Et vu le temps chaud qu'ils annoncent la semaine prochaine, je pense que ça sera juste nickel. Les tarifs, vous les aurez sur les côtés. Voilà, j'espère que j'ai gardé tous les tickets. Ensuite, il fallait une crème solaire à Laura. Et je peux vous dire que j'ai regardé chez Leclerc. Et chez Leclerc, le plus petit prix que j'ai pu trouver, c'était beaucoup plus élevé que celle de chez Cien. Et en plus, je pense qu'au niveau du FPS, il n'était pas 50. Là, chez Lidl, ils ont sorti une gamme de crèmes solaires, que ça soit en contenant comme ceci, que ça soit en contenant en spray, en vaporisateur comme ceci. À vous de regarder, moi j'ai pris le moins cher parce que cette année, on n'ira pas à la mer. Et plus 50. Et vous allez voir le prix que je l'ai payé. Vous avez pour enfant, donc là j'ai pris crème enfant, mais vous avez aussi pour adulte. Et les prix vraiment, vraiment beaucoup moins chers que ce que j'ai pu retrouver chez Leclerc. Il lui fallait un petit labello, donc j'ai acheté un petit labello comme ceci. Alors elle en a, mais ce sont des labellos qu'on lui a offerts, que ça soit par Kim et par d'autres personnes, et qu'elle ne souhaite pas amener avec l'école de peur qu'on lui vole. Voilà, donc je lui ai pris un petit labello marque Cien, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Elle a pris bleu, voilà. Ensuite, je suis allée pour ce produit-là. Et attention, parce que je vais devoir l'échanger aujourd'hui. Vous savez qu'ils font beaucoup de bricolage au niveau de chez Lidl. Et en l'occurrence, sachez que tous les produits que vous achetez sont garantis 3 ans. Mais une fois que vous l'achetez, vérifiez bien tout
ce qu'il y a à l'intérieur, puisque vous avez un délai de 15 jours, je crois, pour le retourner au magasin. Puisqu'après, ce n'est plus le magasin qui s'en charge, mais la société où je crois qui est dessus. Voilà. Donc, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, ils font tout ce qui est bricolage. Et en l'occurrence, mon mari a cassé sa visseuse électrique et la charge batterie apparemment coûte beaucoup plus cher que le produit en lui-même. Donc cette petite visseuse, vous aurez le prix sur le côté. Mon mari l'a ouvert hier, a voulu la recharger. Le problème c'est que je dois la ramener aujourd'hui et je vais la ramener très rapidement, donc aujourd'hui, ça c'est une certitude. Tout simplement pourquoi? Parce que quand il a voulu la charger, au niveau du fil de la charge, le fil est complètement dénudé. Voilà, c'est un produit qui est neuf, il n'est jamais utilisé. Je pense qu'il va y avoir aucun souci. Vous aurez un petit commentaire juste ici, si j'ai eu des difficultés ou pas, puisque cette vidéo sera éditée, je pense, ce week-end. Mais voilà, et il y avait plein d'autres choses niveau bricolage. Voilà, donc elle a l'air de plutôt bien marcher. Le seul petit bémol, c'est que peut-être un défaut lorsqu'ils l'ont mis dans le packaging, je sais pas. Ensuite, en partant, j'ai vu un petit rayon sur les téléphones. Il y avait des coques pour iPhone et peut-être d'autres marques. Il y avait des casques, il y avait des écouteurs et je suis tombée sur ça. Et ça, j'en ai déjà entendu parler, que ça soit sur YouTube, mais à plusieurs reprises quand je suis allée chez Lidl. Et sur le grand où je jouais d'habitude, il n'y en avait plus. Et là, quand je les ai vus, il en restait quelques-unes. Je me suis dit, achète-toi-le. C'est tout simplement une batterie externe. Voilà. Vous rechargez la batterie et vous le mettez dans votre sac à main. Et si jamais vous n'avez plus de batterie sur votre portable, appareil photo, eh bien, vous venez le recharger directement sur ça. On va voir, pareil, c'est garantie 3 ans. Je vais l'ouvrir, petit dépliant comme ceci. Et après, vous avez 3 couleurs. Vous avez gold, gris, noir, je crois. Bon, il y a l'antivol, bien sûr, que je vais galérer à ouvrir. Comment te dire que ça fait 2 minutes que je galère à lever juste ceci. Là, regarde le packaging, comme je me suis encharnée dessus, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Bon, j'espère juste qu'il va marcher parce que si ça marche pas, pour ramener ça à Lidl, ils vont se dire la meuf, elle s'est complètement excitée sur le packaging. Bon, c'est par clé USB. Voilà, je pensais que c'était par secteur, mais non. Donc c'est par clé USB. C'est pas logique. C'est le plus gros en haut. Et ensuite, vous le reliez à votre portable. Et là, vous le rechargez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc, vous aurez un petit intitulé ici. Si ça marche bien, je vais essayer de le laisser charger cet après-midi. Et puis, je vous dirai si ça recharge bien, si ça marche super bien. Voilà. Donc, en tout cas, je ne l'ai pas payé cher. Vous l'avez en plusieurs couleurs. Et comme je vous ai dit, ça, c'est super génial. Surtout quand vous partez en vacances. Ou si vous êtes souvent en déplacement, si vous travaillez, eh bien vous avez une petite charge externe pour votre portable ou appareil photo. On va passer chez Leclerc et là j'ai pas grand chose chez Leclerc. Donc déjà j'ai cette paire de chaussons que j'ai acheté à Laura pour partir. Mais bon, elles sont tellement jolies qu'elle les a déjà portées et qu'elle les porte en ce moment. Par contre, elle fait du 34 et pareil. Niveau fille, c'est bébé quoi. C'est soit Reine des Neiges, Princesse ou en ce moment c'est les emojis. Mais voilà, ma fille elle a un peu marre des emojis, tête de smiley, tête de caca, ouais. Elle en a marre. Donc du coup on est allé au rayon femme et là elle a trouvé cela. Et franchement elles sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus mimi celles-ci que celles qu'ils proposaient pour les petites filles quoi. Voilà, même pour les petits garçons, Pat Patrouille, Spider-Man, c'est bon, au bout d'un moment essayer de proposer quand même des choses qui font un peu plus féminin pour surtout des jeunes filles qui commencent à avoir 9-10 ans, voilà, elles en ont peut-être un peu marre. Voilà, donc ceci, trop joli, elles étaient en plusieurs couleurs mais il n'y avait pas sa taille et là elle a dû prendre une taille dessus. Ouais, elle a pris 36. Voilà, parce qu'elle fait 34-35, elle a pris 36. Voilà, et ça vous les aviez en plusieurs couleurs et elle les voulait rose gold, mais il n'y avait pas la taille. Ensuite, des bottes. Oui,
parce que Adolus, elle va faire de la pêche en marée haute et il lui fallait des bottes. Bon, on a pris une taille au-dessus parce que je lui ai dit tu les porteras l'année prochaine puisqu'elle est au CM2, elle sera encore à l'école primaire. Voilà, elle pourra éventuellement les porter quand il fera des mauvais temps cet hiver. Mais bon, après, je ne la vois pas mettre ceci pour aller au collège. Comment te dire? Non, non, non. Et puis, elle les gardera aussi pour aller au jardin, pour bricoler avec papa ou pour faire le jardin. Et ceci, je vous donne directement le prix parce que j'ai encore l'étiquette dessous. C'était au prix de 12,95€ et je trouve que niveau bottes, elles étaient vraiment chères. Voilà, je n'ai pas d'Action, je n'ai pas de Noz. Je suis sûre que chez Action, peut-être qu'elle avait des beaucoup moins chères. Mais voilà. On a retrouvé chez Leclerc aussi un pyjama et là je pense que vous donnerez les prix directement à part pour les chaussons parce qu'il n'y a plus le prix. Là il y avait des beaux petits pyjamas comme ceci, donc là c'était en manche courte. Vous aviez aussi le flamant rose, 4,95€, et ensuite vous avez un short. C'est avec des shorts comme ceci, très très court. Voilà, donc elle a pris celui-ci pour partir à Dolus. Je dois passer demain à la machine. Elle s'est pris ses bas de pyjama, ils sont trop trop jolis. Ils étaient au prix de 7,95€ je crois. Ouais, 7,95€, vous voyez, je retiens les prix, c'est des pyjamas comme ceci, vous voyez. Alors il y avait plusieurs sortes, là il y avait, elle a pris le café et le lait, mais il y avait des cœurs, il y avait des effets tigrés, il y avait des têtes de mort, des fantômes. Et elle, elle a pris celui-ci, le rose, parce qu'il y avait le café et le petit déjeuner là-bas. Elle a dit c'est plutôt pas mal. Voilà, et il lui taille vraiment bien. Et elle a pris la taille 12 ans. On a pris des petites culottes. Voilà, et là par contre, je n'ai pas le prix, mais je m'en souviens. Ils étaient au prix de 4,95€. Voilà, et voilà, il y a 4 petites culottes. Parce que moi, elle ne porte pas de shorts. Les shorties, elle n'aime pas. Ma fille, c'est culotte. Voilà. Et j'ai pris des chaussettes. Voilà. Et ça, je crois que c'était pareil. C'était 4,95€. C'est des chaussettes basses comme ceci pour mettre avec les baskets. De baskets sur Leclerc. Elle les porte aujourd'hui parce qu'elle avait sport à l'école. Je les ai payées 16,95€. Ça suffit largement pour partir en voyage scolaire. Ça va très bien. Et ensuite, j'ai pris une petite paire de collants comme ceci. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez. Laura, elle en a plein. C'est des collants comme ceci, très étirables, sans pied. Voilà, très très fin. Et là, j'en ai pris pour Maëlia. J'ai pris du 3-4 ans. Vous voyez, quand là, il commence à faire des beaux temps, mais avec un petit air frais quand même, pour lui mettre avec sa petite salopette en jean. Et ensuite, on va finir avec Kiabi. Et on a retrouvé ce petit haut pour Laura. Rayon femme, parce que Laura me saoule pour avoir ses hauts, vous savez, ces hauts qu'on met comme ceci, voilà, comme ceci. Il était au prix de 5€, voilà, ça je m'en souviens, il était au prix de 5€. Alors elle a pris la taille X, elle a pris la taille XS, vraiment petit, hein, il lui va un peu grand, mais voilà, pour rester à la maison. Par contre, il est super long, mais elle, voilà, elle me saoule pour en avoir un. Et au niveau fille de son âge, il y en a, mais c'est pas comme ça. Voilà. Elle a craqué sur celui-ci, donc j'ai dit, écoute, prends-toi le. En tout cas, c'est pas maman qui pourra te le piquer, parce que moi, je fais du L. Voilà. Et ça, vous en aviez plein de couleurs. Donc voilà, il y en avait des jaunes, il y avait des noirs. Après, elle s'est pris un leggings. Voilà, parce que moi, j'ai des filles qui portent des leggings, un peu comme la mère. La mère porte beaucoup de leggings avec de longues tuniques. Et là, il était au prix de 5€. Donc, il y a plein de petites étoiles. Voilà, très très simple. Après, il lui fallait des shorts. Donc, il lui a manqué un. Là, c'est pris un short en jean. Parce que ma fille est dans le jean en ce moment. Salopette en jean. Jean. Short en jean. Jupe en jean. On est dans le jean. Voilà. Et là, on l'a payé 8€. Voilà. Elle a pris en 12 ans. Voilà, 8€, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et elle a la veste en jean aussi que je lui ai acheté, de la même couleur. Voilà, qu'on a payé, je crois, 18 ou 19€, parce qu'il lui fallait une petite veste. Et je trouve que c'est totalement rentable niveau tarif chez Kiabi. Et on a repris des petits shorts, et ça sera le dernier article. Et ce sont des petits shorts comme ceci. Vous avez plusieurs couleurs, elle a pris
rose et gris. Vous avez un petit nœud chaque fois devant. Voilà. Et ceux-là, les deux font 6 euros. Donc 3 euros le short. Donc je trouve que c'est vraiment rentable niveau tarif. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre plein de pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Si tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu es nouveau ou nouvelle, eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir mon univers. Et moi, en tout cas, je vous retrouve bien sûr et bien évidemment pour de prochaines vidéos.